And we are live. Welcome, everybody, back to the Martin Siegel Talks here in New York City from the Graduate Center CUNY. My name is Frank Henschker, and I'm the director of the Siegel Center. And for 2 weeks now, we have been live streaming with the great HowlRound conversations with theater artists from around the world about the time we live in, the time of Corona, a time where the outside world is stranger than any fiction we could have imagined, a time when theater people's tools have been taken away. Normally, we already complain there's not enough space, not enough money, not enough opportunities, but this is all gone. We are sitting in our apartments. On one way, we are globally connected, and the world got smaller that way, but now it's a micro world we all live in. But still, as someone said from our Taiwanese artists, perhaps it's the first time mankind is truly globally connected to that visible virus. And it's heartbreaking times, especially here in New York City. We have more dead people than countries around the world. Everything is closed, as in so many other cities. There's theaters, bars, restaurants, stores, kindergarten, schools. It's in a way a horrible scenario. And of course, we all think about theater and art and life and what does it mean? What are we thinking about and what should we be thinking about? We hear a lot from politicians, from virologists, economists, and our TV faces, but I think it's a time where we need to hear from the artists, where we hear from leaders in our field to create meaning or to see what this new situation, this new world we're living in is all about. We are, of course, too close. We cannot really see it, but it is clear, like the end of a World War II, about the fall of the wall, 9/11. This is a before and after Corona, and we on the middle of the trenches. In a way, we had artists from around the world, Thomas Ostermeyer from Berlin. Yesterday, we had Meredith Monk talking to us, Thomas, who said, you know, stay sober, this is chaotic, there's no meaning to it, prepare for what's coming up and take the moment to reflect. And Meredith, who says her Buddhist practice helps her, which has informed her work over so many and decades to deal with this, but it's a scary time. Company members are infected. She possibly could have been infected, and it's just unthinkable, you know, that to lose someone artist like her, and she is all fine, of course. And we had people from around the world chiming in, Italy and from Egypt, from Lebanon, the complicated situations everybody works and lives in now. And what unites us is that we are alone. We live in solitude with our loved ones if we are lucky. Everybody says, go back to your family. Some don't have families, some are alone. It's not easy. And in a time, Taylor Mack, who reminded us that, you know, where the AIDS crisis hit and everybody survived, and now a handshake can kill you. You know, this is a terrible situation. He created, actually, Taylor Mack with Kristen Martin, trickleupnyc.org, an organization that supports you, New York City artists. And so go on there. It's a kind of a Netflix model. You pay $10 a month, and then you can see work created by artists. Everything will go towards them. It's a terrific initiative next to many, many, many others. Now I think it's time for us to move to also another continent, a very significant force in theater, always has been. It's the cradle of mankind. DNA shows we all are Africans, whether our skins are lighter or darker, this is who we all are. We are all part of a family. That is what DNA tells us. Racism is not only wrong because of other political reasons, it's also completely wrong if you look at who we are as human beings. And in Africa, we have a great theater. Heather is with us, a professor of theater in Los Angeles, who will translate, who has worked a lot, and one of the great workers of theater in Africa at the moment. Aristide Tanagda is with us. He is running a great theater festival in Burkina Faso. He's a playwright and director. He also has been at the Siegel Center for our Penworld Voices talk. Heather is one of the pioneers to also discover all the work that's done, and it's even wrong to say to discover. It's been all there all the time, and we just haven't paid attention to it. It's a French-speaking country, and I think French government also pays attention. The French Cultural Services here in New York
to promote the work, but it's extraordinary work that's going on. And now I think after hearing from Asia, after hearing from Europe, after hearing from our American friends and artists, is it time to hear from Aristide. Aristide, oui. Welcome. Hello? Hello? Oui. What time is it now in Burkina Faso and where are you? Il est 16h, je suis à Ouagadougou. Heather, can you translate? Yes, sorry, he understood you. He said it's 4 o'clock in the afternoon in Ouagadougou, Burkina Faso. Okay, speak a little bit louder. Your sound is a bit quiet, so it's 6 o'clock in Burkina Faso. So are you in your family home? Where are you? Je suis pas en famille. Je suis chez un de mes amis. Donc, un ami du quartier avec lequel je passe du temps souvent pour me distraire et puis me reposer. Donc, je suis dans la maison de sa maman. Je suis dans la maison de la maman de mon ami. He said he's visiting his friend, whom he often visits, and he's actually in his friend's mother's house. Good. So, what is the situation in Burkina Faso? Are people going out? Are there any government regulations? Donc, Aristide demande quelles sont les responsabilités maintenant qu'on dit le gouvernement pour par rapport aux citoyens. Est-ce qu'on peut sortir de la maison? Quelles sont les? Qu'est-ce que le gouvernement a dit aux citoyens? Ah oui, le gouvernement, oui, je comprends la question. Le gouvernement du Burkina Faso, je pense, à l'instar des autres gouvernements, a pris des mesures, donc des mesures notamment pour sensibiliser le peuple burkinabé par rapport au COVID-19, notamment pour les mesures barrières, là, pour se laver les mains, porter les masques, développer la distanciation sociale. C'est ça qui n'est pas chose facile dans des cultures comme les nôtres, parce qu'on est, vraiment habitué à être ensemble, à être en contact. Mais je pense que les gens, de plus en plus, ont conscience que voilà, la situation a changé. Let her translate a moment, Aristide, and speak a bit louder, Heather, if possible. So he said that, like other countries, they are meant to wear masks when they go outside and basically stay in their houses. He didn't mention it, but I read elsewhere that the markets are closed. But he said that it's really strange in African cultures because so much of their society, so much of their life is about being together. So to maintain social distance as the government requested there as elsewhere is antithetical to how the society usually functions. Mm-hmm. So for how many days? Il y a aussi d'autres mesures comme la fermeture des écoles, des marchés, l'interdiction de la fermeture des bars, des boîtes de nuit, des lieux culturels, des théâtres, des cinémas. Et Aristide, on avait dit pendant combien de temps ça va durer? Pour l'instant, c'est jusqu'au 14 avril. OK. So Frank, he said... they closed the schools, they closed the market, etc. And right now it's only until the 14th of April. And when did it start? When did the... Et Aristide, ça a commencé quand? Ben, ça a commencé le... Bon, nous, les premiers cas, c'était le 9 avril. Je crois que ça a commencé le 12 ou le 13 avril, si ma mémoire est bonne. Et mars, pardon. Mars. 12 ou 13 mars. Mm-hmm. Mars. Ouais. Alors, on avait dit juste, tout simplement, pendant un mois. Non, d'abord, c'était 2 semaines et ensuite, ils ont renouvelé. Okay. So, it began about a month ago and at first it was for 2 weeks, mid-March. First, it was just for 2 weeks and then they pushed it to a month, but the month is almost up. Thank you. Thank you, Aristide, for being with us. I know the internet in Burkina Faso over the laptop did not work, so Aristide is with us with his cell phone. But we can hear you and see you very, very well. Aristide, someone says we live now in the times actually of Artaud. It's Artaudian times, and we have to stay
on the right side of madness in that moment where we live now. It's maddening what is happening. You as an artist, how do you experience this moment? Donc, Aristide, il avait remercié de nous joindre. Et puis, il avait dit que nous sommes un peu dans le temps d'Arto, Anton Arto. Donc, elle avait demandé... Dans le temps de... Antoine Arto, l'artiste français du début du 20e siècle. Ah, Antoine Arto, oui, Antoine Arto, oui. Donc, il avait dit, comment tu supportes en tant qu'artiste ce temps de folie? Alors, ben, en tant qu'être humain d'abord, ce n'est pas évident parce que, comment dire, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le sens qu'on n'a jamais vécu un arrêt total du monde comme ça, une peur, ces hécatombes partout dans le monde. Ça vous... Et puis une non-maîtrise de la situation du virus. Il n'y a pas quelqu'un... Let Heather translate a moment. Heather, so take some notes. He says that just as a human, we've never been in a situation like this. We've never experienced a situation with a total shutdown that's worldwide. Alors, donc la situation, elle est délicate parce que tout est à l'arrêt, surtout pour les... J'habite un pays quand même où, pour la majorité des gens, la vie se gagne au quotidien. So, for most people in the country, in Burkina Faso, they make an earning day by day, on a daily basis. Donc, avec des mesures qui mettent à l'arrêt leur travail, leurs activités, voilà, c'est pas évident de vivre. So, it's not clear how everybody's going to survive when there's a shutdown of their daily activities. Et donc, en tant qu'artiste aussi, c'est un moment difficile parce que tout est à l'arrêt. On ne peut plus travailler parce qu'un artiste, en tout cas un auteur, un metteur en scène, un directeur de festival comme moi, et un festival qui est implanté dans un quartier, j'ai pour habitude de travailler avec les gens au quotidien. So as an artist, it's also challenging because everything is shut down and he's used to necessarily working with other people. So he was talking a little bit about the festival that he directs, the festival Les Récréatrales, which happens every other year in Ouagadougou and would normally happen in this fall. And I think he's still waiting, you can ask him, but they have year-long activities. And so now everything's kind of halted, including rehearsals, including developments, all the developmental stages. Aristide, c'est donc j'avais dit que les récréatrices, ça doit normalement avoir lieu cet automne. Mm-hmm. Ouais. Oui, c'est un processus. C'est normalement un processus. Normalement, on a fini la première étape en février, qu'on appelle la quarantaine, et on devait commencer une deuxième étape, qui est l'étape charnière entre le lancement et puis les résidences et la plateforme festival. Donc, ce qui est le côté court, on devait commencer le 13 mai. Donc, nous sommes obligés de repousser, de reporter cette deuxième étape-là, le côté court, en août, et puis enchaîner avec les résidents, ce qui ne va pas être très évident pour les artistes. So normally there is a second. They already finished the first development stage. It ended in February. Normally there would be a second development stage right now, which would precede the residences of the artists. And so a lot of the development that happens is developing new work for writers and also young artists who are involved. So now that's been pushed back to August. But it's going to be complicated because then it will essentially happen at the same time as the residencies. Donc, en tant pour revenir à la question, en tant qu'artiste, c'est effectivement un moment difficile de doute, de panique un peu, mais c'est en même temps un moment où je me dis qu'en tant qu'artiste, j'ai pour devoir de continuer à faire.
enraciner l'espoir dans le cœur des gens parce que tout le monde panique et qu'en tant qu'artiste, le moment de vie difficile, ben, l'artiste a pour devoir d'amener le peuple, les citoyens à se surpasser. D'enraciner le quoi? L'espoir. Ah, okay. So oui. he said. So to return to your question, Frank, as an artist, it's a moment of doubt and a moment of fear, but there's also the idea of it being a moment of in sowing hope in. Tu avais dit dans le song, c'est ça? Pardon? D'enraciner l'espoir dans le sang, c'est ça? Oui, l'espoir chez les gens, dans le cœur des gens, parce que les gens ont peur, les gens. Le peuple, voilà. Les citoyens. Ouais. So to instill hope in people's hearts, because people are afraid, and it's part of the role of the artist is to give people hope. Ben oui, et puis donc les amener par notre pratique théâtrale, musicale, par la littérature, par le conte, par le poème, par la musique, les amener à se surpasser, à se dépasser. Donc c'est un moment où on doit complètement libérer notre imagination, libérer nos imaginaires pour rendre la vie possible. So it's a moment of liberating imaginations to make life possible. And he talked about to bring people to the theater, to the literature, to the poetry, in order to accomplish. Parce que justement, le COVID vient comme, le COVID vient nous rappeler que la vie est fragile et que peut-être que nous l'avions oublié. Donc que la vie est fragile et que nous nous étions peut-être trop écartés de ce qui est nécessaire, donc la santé, l'éducation, la culture. Et que des moments concrets comme ça, où l'humanité se retrouve face à ses propres faiblesses, ben, ces moments-là sont des moments qui nous font prendre réellement conscience qu'il faut revenir à l'essentiel. Voilà, la santé, la paix. It's moments like this when we're reminded of things that we've forgotten, taken for granted, and moments like this that make us come back to the essential, health, peace. Because these are things that we take for granted, and it's a moment like this where we're really forced to think about them. Mm. Aristide, how do you feel yourself now sitting there in your room? How do you feel? What's on your mind as a person? Alors Aristide, en ce moment, actuellement, là où tu es en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, assis là, à quoi réfléchis-tu? Je réfléchis à beaucoup de choses. Je me dis, est-ce que l'humanité tirera véritablement une leçon? Est-ce que on va rompre définitivement avec cette vie qui était basée sur la cupidité, le matériel, le capitalisme, cette vie qui nous éloignait de l'essentiel? He asks if we as humans are actually going to take a lesson away from this, if we're going to reconsider the materialism of our lives, reconsider these our ways of living that really take us away, distance us from what is the essential, what is necessary. En ce moment, je m'interroge permanemment sur justement quel est le rôle de l'artiste dans des moments aussi difficiles comme celui-là pour l'humanité. Quel théâtre je dois écrire désormais, quel théâtre je dois faire pendant et après le COVID-19. So he's asking himself, what is the role of the artist in moments like this? What type of theater should he be writing now? Must he write now and must he write after when this is over? Voilà, donc en ce moment, en tant qu'artiste, je vis des moments intranquilles, c'est bien, parce que l'artiste, de mon point de vue, ne doit jamais être tranquille, mais c'est un moment exceptionnel, un moment où, voilà, toutes les secondes
de ma vie sont intranquilles parce que je me pose beaucoup de questions sur les mesures prises par le gouvernement, par exemple. Est-ce que ces mesures-là sont justes pour tout le monde? Est-ce que ces mesures sont adaptées? Mais sinon, quelles mesures il faudrait prendre dans un pays comme le Burkina Faso? Par exemple, Ouagadougou a été mis en quarantaine et puis d'autres villes du Burkina sont mises en quarantaine et des marchés sont fermés. Donc, tous les jours, je réfléchis à comment faire prendre enfin conscience à tout le monde, tu vois, de la nécessité d'habiter un monde juste, un monde où l'être humain. Pardon? Yeah, let Heather translate so we don't lose your thoughts. I'm trying. So he said first that artists should never really be tranquil, relaxed. And so there's actually something good about moments like this because it forces artists to respond to them. He is also questioning steps taken, measures taken by the government. He said Ouagadougou and some other places are under quarantine. And I'm guessing, I don't think everywhere is though. I know not everywhere in West Africa is. And so he's asking about whether these are the right decisions and whether everything is just being justly executed. Vous voyez, en ce moment, en tout cas, je sais que le Sénégal, la plupart de quelques pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de débloquer des centaines, voire des milliers de milliards pour répondre à cette maladie. Et quelque part, ça me révolte. Ça me révolte parce que jusqu'à présent, le COVID dans ces différents pays tue moins que le paludisme, moins que la rougeole, moins que voilà, et que donc pourquoi tout d'un coup on débloque des milliards pour sauver des vies, enfin c'est très compliqué quoi pour moi. So he said that Senegal and other West African countries have released a lot of money, millions of dollars, towards fighting COVID-19, coronavirus. And it's also frustrating and disgusting in a way because these actions are never taken in fighting things like malaria and measles, which have huge epidemics in Africa and kill more people on a regular scale than this is right now. And I would say also many, many people die of starvation or for famine. So he's discouraged by this. Oui, c'est ça. Je me dis qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des effets de mode? Est-ce que c'est du suivisme? Parce que c'est normal dans des pays comme la France, comme les États-Unis, comme l'Italie, comme l'Espagne. Il est clair que voilà, il y a les rues, les hôpitaux sont jonchés de cadavres, et que donc des mesures adéquates et urgentes doivent être prises pour. Mais ici, au Burkina Faso, pour l'instant, nous sommes à, je crois, même pas 30 morts liés au COVID sur 300 et quelques cas. Bon, soit. Mais je sais que la rougeole en Let, let translate, one second, hold it, yeah. So he said that he understands that in Italy, for example, and elsewhere in the Western Europe and the United States, that so many people have been affected that he understands the necessity of taking these measures. But in West Africa, that's not really the case. It's not the same thing as opposed to other things like the measles, like malaria, that normally and are still affecting many, many people. Okay. Et donc, la rougeole, par exemple, dans mon pays, a tué près de 300 enfants. Tu vois, il n'y a rien qui a été débloqué pour une maladie dont le vaccin existe, enfin, dont on maîtrise tout. Donc, je trouve que l'humanité, enfin, le monde fonctionne très souvent à l'envers. Et que, voilà, cette maladie doit nous permettre, justement, réellement, de prendre conscience
que la vie, une vie est sacrée et que nous devons tout faire pour la protéger et la préserver. Mm-hmm. So he said that, for instance, measles, for which there is a vaccine and a cure or treatments, it has killed 300,000 children, but nobody's done anything about this. And so he kind of feels like the world is a non-verse. It's the opposite of the way it should be, or everything's kind of topsy-turvy. But he said that this really makes you think about these realities and where we are with things today, and remembering the most important things of living and being alive and health. Et donc aussi, go ahead. Oui, donc aussi le fait, en tant qu'artiste, le fait d'être obligé de m'arrêter me permet aussi de prendre un temps pour m'interroger sur le sens réel des choses que je fais. So as an artist, this situation is giving him the time to also think about the important things, the things that really matter. Important pour toi ou bien par rapport à l'être humain en général? Des choses. Non, pour moi, ça c'est ma pratique artistique. Voilà, c'est par rapport à ma pratique artistique. Right. So he's reflecting on his own artistic practice. Aresti, tell us a little bit about your day. When you get up in the morning, what do you do? Do you write? Do you listen to music? Do you read books? Are you busy with your family? Or you, Thomas Ostermeyer, he was like run over by a bus. You can't do something. Our Italian friend said Lucia, the playwright, said she cannot do anything. She moves objects in her home all day and has 1 or 2 hours where she can work. So how does your day look like? Do you work? Do you write? Alessi, il demande à quoi ressemblent tes jours. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Est-ce que tu te promènes? Est-ce que tu écoutes la musique? Tu lis des choses? Tu arranges des affaires? Ou bien? Alors, quand je me lève, je mange des mangues de chez moi, parce que j'aime bien les mangues. Ensuite, j'écoute les informations, je lis, j'écris, je réponds à des mails, et puis j'ai organisé, parce que je continue de répéter, tant soit peu, parce que j'ai organisé des moments de répétition avec le CITO, le Carrefour International Théâtre de Ouagadougou. Donc, on répète en ce moment une pièce et comme on n'est pas... Wait a minute, 1 second. So he said when he gets up, he eats mangoes because he really likes mangoes. And then he does some reading. He watches the news. And then he does a little bit of reading, writing, correspondence that he needs to. And then he was just talking about how he's arranging a schedule for, I think, for rehearsals for a new show at CITO. CITO is the Carrefour International de Théâtre à Ouaga. It's a relatively important theater complex in Ouagadougou. Aresti, tu avais dit à CITO, ce sont des répétitions que tu organises? Je répète une pièce avec quelques acteurs. Donc, on s'est organisé pour respecter, pour continuer de répéter en respectant les mesures qui sont prises. Donc, les acteurs ont leur masque. Voilà, on est tous obligés de se laver les mains quand on arrive. Et puis, on respectait les distances, doit lire des textes, dire les textes. Enfin, bref, on a organisé en tenant compte. Parce que la vie ne doit pas non plus complètement s'arrêter. Parce que, c'est une pièce qu'a écrite Hilde Vermeda. Mirage et perdition. Ça s'appelle Mirage et perdition. Mirage et perdition, ok. Et perdition. C'est sur sur l'engagement des jeunes dans le terrorisme. Ah, I don't know this play. It's Mirage and Disappearance, I think. Perdition. It's about young people who get involved in terrorism. But anyway, there's meeting to actually rehearse anyways, but they maintain social distance, they wear masks. But they are still actually rehearsing this play. Where do you rehearse it? In Osito.
It's aussitôt. Yeah. Aussitôt, Carrefour International Théâtre de Ouagadougou. It has Franck, it has this big open area with a few buildings around, and I think most people rehearse outside. Tu répètes dehors, non? C'est dehors, ouais. Yeah, so that's where they were, and sort of ouais. Like this outdoor courtyard. Ouais, c'est un théâtre à ciel ouvert, quoi. Je vais au récréatral travailler, continuer, parce que c'est une année de récréatral. Mm-hmm. He also goes to his office for les récréatrales to organize. Il n'y a pas beaucoup de monde là-bas, non? Ils sont tous chez eux, oui. Il n'y a personne. Je suis seul, yeah. C'est dans le bureau, je suis seul. Yeah, so nobody else is there because they've all gone home. I know a couple of the administrative members live in France, so they've returned to France, and other people have gone to their families. Mm. So we had Toshiki Okada on last Friday, who said he's rehearsing, but over the screen. Mm. Had an interesting idea. He said, you know, it's kind of democratizing the idea that the actor is now as president as the director. But it's interesting that Aristide can work outside in a big open space where there is a social distancing is possible. And it's also a tradition they have done. The rehearsals now, are they different than they would have been a month or two or three ago? Or is it this just going on as normal? Aussi, les répétitions se ressemblent-ils à ce qu'on fait normalement ou bien ça a changé depuis? Ah non, ça a changé, non, ça a changé. Ça a changé parce What que... What has changed? C'est le rapport entre artistes, simplement parce qu'on ne peut plus... on est obligé d'observer cette distanciation sociale, on ne... Mm-hmm. Obligé de faire attention quand on parle à l'autre, on peut pas, je veux dire, quoi que l'on fasse, cette espèce de, cette maladie a fait de nous quand même des suspects. Je te laisse traduire. Right. So what's changed is the reports between people, because they have to maintain the social distancing, they can't respond normally as they would with one another. And what also has changed a little bit in the mentality of everybody during this situation is that everybody is a little bit suspicious of everybody else because you don't know where you're going to get an infection from. Oui, donc, dans le regard de l'autre, tu as une source potentielle de contagion. Donc, les répétitions sont... Comment dire, ça perd de son intimité, de sa sacralité. Mm-hmm. So it's lost its intimacy and its the sacredness of being really together. Aristide, you talked about malaria, about thousands and hundreds of thousands of people who die from it, and the measles and ongoing health crisis in Africa. Does it feel radically different for you now, the COVID-19 virus, or do you think, is this just one more thing that we already have to deal with? Alors, puisque tu as fait comparaison avec paludisme et est-ce que tu crois que COVID-19, coronavirus, est-ce que c'est autre chose ou bien c'est encore une maladie, encore un problème auquel il faut se combattre et se tuer? Mais je ne sais pas parce que même les scientifiques n'ont pas une connaissance exacte de cette maladie. Je veux dire, ça serait beaucoup trop prétentieux et imprudent de ma part de vouloir donner un point de vue sur cette maladie qui est complètement nouvelle, quoi. He said it would be imprudent and a little arrogant on his part to say that to answer that really, because even the scientists don't know exactly what this disease entails or the realities of it all. We're still being discovered. But is it for him as a feeling? Does he feel we always lived in this time? There's not a
for Europeans and Americans, it's a complete shock, something new. Do you feel this is something we live with every day? Or is it also an interruption, a disruption? Alors, Aristide a dit que bien aux États-Unis et en Europe, c'est vraiment un choc pour nous, puisqu'on n'a pas l'habitude de subsister avec ces choses-là comme COVID-19. Alors qu'en Afrique, bien, il y a d'autres problèmes. Donc, c'est un nouveau problème, mais quand même, ça ne fait pas effacer les autres problèmes qui sont toujours là, comme le paludisme, etc. Alors, non, Vas-y. Mm-hmm. Non, donc, il avait demandé comment tu vois ça en tant qu'Africaine à bien à Ouaga, puisque c'est pas tout à fait pareil, notre point de vue venant des États-Unis, par exemple. Oui, en fait, oui, c'est clair que, comme Achille Mbembe l'a dit, c'est-à-dire que l'homme blanc, et les Occidentaux et les Américains, de façon générale, font connaissance avec la mort maintenant, et que ce n'était pas la même situation qu'avec les Africains. So Frankie referenced Achille Mbembe, who pointed out that for white people, meaning Westerners in general, that they are coming face to face with death for the presumably the first time. Et donc, moi, ce que je vis au quotidien ici, c'est que, en fait, quand le gouvernement a pris les mesures ici, la peur des gens, c'était justement de mourir plutôt de faim que de cette maladie. Okay. Voilà. So he said that when, even at the time when the government took the measures in Burkina Faso to help fight against this disease, the reality is that more people are afraid of dying of starvation than they are of dying of COVID-19. Parce que s'ils ne peuvent plus sortir, comment dire, pour chercher leur pain quotidien, eh bien, même s'ils n'ont pas le COVID, ils mourront de faim. So if they can't go out to earn their daily bread, even if they don't get COVID-19, they're going to die. Donc, la peur des gens, c'est plutôt, comment dire, ces mesures qui sont, encore une fois de plus, des mesures justes, parce que je ne vois pas comment, comme je viens de le dire, personne ne maîtrise la maladie, mais c'est comment, c'est le manque de pédagogie derrière, et c'est le manque de confiance vis-à-vis du peuple, pour que le peuple s'organise de lui-même pour pouvoir continuer à exister, mais à rompre la chaîne de transmission, en rompant la chaîne de transmission. He said part of the problem is, or a big part of the problem is that there's a lack of pedagogy, a lot of understanding for people, so that they can figure out for themselves how to continue to live with the proper precautions necessary. Parce que c'est un peuple, contrairement à ce qu'on croit, qui a toujours été responsable, qui s'est toujours organisé de lui-même sans demander des comptes au gouvernement, à l'État, et qui spontanément prend sa vie en charge. So, because the people are used to taking charge of their own lives and taking care of themselves, and not, ça veut dire que hors du gouvernement, on sait comment vivre, quoi, non? C'est ça? Ben oui, les gens, par exemple, je prends un exemple, c'est-à-dire tous ces gens qu'on appelle le secteur informel. Oui. Ce sont des gens qui se sont organisés sans aide de l'État, sans rien, mais qui comptent sur leur propre imagination, leur propre force, leur sens de responsabilité pour exister. Et donc, ils se sont créés entre eux des banques où ils se font des prêts sans intérêt, etc. So, pour pouvoir faire leur petit commerce. Voilà. So, without an organized government structure for centuries, people have been able to come together to figure out, work out banks, work out commerce on their own. He used the term responsibility. Everybody has their own sense of responsibility for a living. And so without, to return to what he was saying, without a sense of understanding
fully what this is and how to deal with it, it's challenging for people who are used to living on their own. Yeah, and not trusting the government and not getting normally the right information, I am sure. Aristide, as a theater artist in Africa, do you feel connected to the world, or do you feel you're left alone in a Burkina Faso? Right now or in general? Right now and in general. En tant qu'artiste africaine, Aristide, est-ce que tu sens que tu es seul, que tu es indépendant du reste du monde, ou bien que qu'on est tous connectés? Et donc, tu peux penser à maintenant, à ce moment, est-ce qu'on est éloignés les uns des autres, ou bien est-ce qu'on a toujours une communauté artistique internationale? Et puis, en général, en tant qu'artiste en Afrique, est-ce que c'est le cas? Alors, je pense que c'est délicat parce que ma réponse pourrait être à la fois oui et non. Heather, maybe translate. Pardon? Heather, you want to translate? I just said that his answer is yes and no at the same time. Oui, parce que on s'est senti toujours quand même à la marge du monde. En tant qu'artiste, il a toujours été difficile pour moi de circuler dans le monde. Parce que je suis toujours suspecté. Il y a un regard condescendant qui est posé sur moi. L'obtention des visas a toujours été problématique. So it has been challenging for him to circulate, to travel, and to move as an artist, because there's always sort of a suspicion there directed his way. There are always challenges with getting visas, with traveling, etc. Je me sens des fois aussi dans un ghetto, parce que les espaces, il y a des espaces spécifiques qui me sont réservés à mes œuvres, à mes mises en scène. Donc, c'est pas évident. Voilà. He feels like he's in a ghetto in a way, because there are always specific places reserved for his work, the sort places that exist that are the only places for it. Alors, tu parles de théâtre? Je parle de théâtre. Je parle à mon endroit. Mm. Ouais. So you go to the Avignon Festival, and where do you show your work normally? In Africa and outside. Aristide, il a demandé où est-ce que tu fais ton travail. Donc tu as fait partie du festival à Avignon. Oui. Ben, en Afrique, c'est dans les théâtres qui existent sur le continent, au Congo. Mm-hmm. So he's done a lot of work around internationally in Africa, in the Congo, in tu as été au Mali, non? Oui, au Mali, ouais. Au Mali, en général, un peu partout en Afrique, en tout cas en Afrique francophone, Afrique subsaharienne. A little bit everywhere in sub-Saharan francophone Africa. How do you get support? Do you get any support from your government? Will you get support now in the corona crisis? Il avait demandé par rapport au soutien du gouvernement. Est-ce que tu en as reçu? Tu en as reçu pour les récréateurs, par exemple? Eh bien, est-ce que ça va changer? Non, pas encore. So you have not gotten any support, or there's no... Qui a écrit... Pardon, Aristide? Tu avais dit? Oui. Pardon, je n'ai pas entendu. Je dis, pour l'instant, je n'ai pas reçu de les récréatrales, non pas reçu pour l'instant d'aide, parce que je pense que c'est nouveau. Mais je pense que le plus important, c'est pas que les récréatrales reçoivent un soutien pour les récréatrales. So he said, for instance, his festival has... Être à...
hasn't received any support from the government as of yet. But he doesn't think that that's necessarily the most important thing. Je pense que pour l'instant, l'aide qui serait légitime et juste pour les récréatrales, ben c'est de donner les moyens à cette structure pour pouvoir comment dire, survivre au COVID-19, ça c'est un. Mais de deux, pour pouvoir créer pendant le COVID-19 et permettre au peuple burkinabé de se surpasser, comme je dis, de tenir en ce moment de doute, de peur et d'angoisse. So he said that it would be useful to have money for the festival, but also to support the artists to continue to make their work during this crisis. Donc, c'est ça que tu avais noté dans la lettre que tu as écrite. Exactement. Ce que j'avais écrit, c'était pas une question d'argent, c'était pas pour donner de l'argent aux artistes, parce que encore une fois, cette crise doit nous amener à sortir de cette façon de voir, de cette façon de faire. So he doesn't necessarily think it's not necessarily about money or anything, but it's about the idea of support. And he wrote a letter that I've translated about letter to the government or. A letter about in response to what the government said, because the government mentioned all other aspects, all other sectors of life and society, and completely neglected to talk about cultural workers, including. Parce que. Mais je me méfie toujours de l'argent qui arrive pour faire des projets. Moi, je pense que l'argent doit arriver après le rêve du projet, pour réaliser le rêve du projet. Et l'argent venant du gouvernement ou bien non. Tout argent. Ça doit arriver après le rêve. Qu'est-ce que le rêve du projet. Ok, mais avant. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qui doit faire rêver le projet. Okay. C'est parce que j'ai rêvé d'un projet. Voilà, on doit chercher l'argent pour le. He said that he thinks that the money needs to be there earlier on when the dream of the project is realized or is first imagined instead of it being only for the finished project. Mm-hmm. Aristide, we have also slowly, we have a little bit of time still, we're getting towards the end of the session. I am not sure if everybody knows as much, and I don't know enough about your theater festival at Burkina Faso. So tell us a little bit, how many years have you been doing the festival? How many shows do you have? I know you also host writers. Do you have buildings? And who comes to see the work? So tell us a little bit about your theater work, what you are doing under those already difficult circumstances. So tell us a little bit about your work as a theater artist in Burkina Faso. So about Frank, about the festival and about his own work, right? Yeah, but all of it, yeah. So tell a little bit so people know, but also about the festival and his own work, so what he does. Aristide, il avait demandé que tu parles un peu de ton propre travail en tant qu'artiste théâtral et aussi parler un peu des récréatrales pour que les gens connaissent ce festival. So we should say that Aristide is not only a playwright, but he does direct the festival right now. He's also an actor and a director. Aristide? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à propos du festival et puis à propos de ton propre travail? À propos de mon festival, surtout parce que mon propre travail, c'est un peu... il est toujours difficile de parler de son travail, mais bon, je vais commencer par le festival. C'est un festival particulier, unique au monde. So it's a unique festival in the world. How many years? So when did it start? Pendant combien de temps? Depuis 2002 que ça existe. Since 2002. And it's every other year. Voilà, tous les deux ans. Ouais. Voilà. Et donc, pourquoi il est singulier? Il est singulier en ce sens qu'il est, inscrit au cœur de la vie du citoyen, du public, du peuple. It's unique because it is inscribed in the heart of the people. Et par ça, tu veux dire que puisque ça se développe et ça a lieu
complètement au quartier où habitent les gens. Oui, oui, j'en arrive. Je veux que tu traduises. Okay, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, en ce sens que on s'est implanté dans un quartier et qu'on reçoit les artistes de différents pays d'Afrique et du monde dans les cours familiales de ce quartier. So, they're based in a particular neighborhood in the city of Ouagadougou, away from the center of town. And all of the artists who come from all over Africa, are lodged with families who live in this neighborhood. Donc, c'est à la fois un quartier qui s'ouvre au monde et qui s'ouvre aussi à la beauté, à la culture, à la danse, à la musique, au théâtre, à l'écriture. In a way, it's as if this neighborhood opens itself up to the world and also opens itself up to music, dance, theater. Et c'est une belle leçon d'hospitalité que des gens qui sont dits pauvres donnent au reste de l'humanité. Hein, parce que malgré le fait qu'ils soient, parce que c'est pas vrai qu'ils sont pauvres, mais c'est une façon de voir, mais malgré le fait que ces gens ne soient pas des gens extrêmement riches, ils ouvrent leur porte, leur intimité à des étrangers, à des gens venus de partout, sans demander en retour, tu vois, d'être payé. So, it's sort of an example of hospitality because people who are relatively poor, who are not rich in wealth, open their doors to the world in this way without asking for anything in return. Mm-hmm. So, sorry, what was that from? Ils accueillent pendant une année, parce que comme je viens d'expliquer, c'est un processus, pendant une année, des centaines d'artistes, plus les milliers de spectateurs qui viennent voir les spectacles dans leur cour familiale. So, and then what happens when the year of the festival, the season of festival, it's usually in late October, early November, is that hundreds of artists and thousands of art and theater enthusiasts come and just sort of descend on this one neighborhood in order to experience the theater. So also also people who come to see the show are hosted by families. Not really, but yeah. The artists are. So how many companies, how many shows, how long is the festival, how many days, how many shows do you see? And just to clarify to that, Frank, so the plays are performed in the courtyards of these families. So even though the people coming don't stay in with people in their houses, they are basically welcomed into their in the courtyard. And how many people watch and yeah. Are there tickets or it's just open door? How does that work? Aristide, il demande combien de gens, combien de spectacles il y aura, il y a normalement, combien de spectateurs? Ouais, voilà. Alors, donc, non, je voulais ajouter quelque chose d'important avant de répondre à cette question, qu'en fait, ce quartier-là et ces gens ne se contentent pas d'accueillir. Ils aident à l'organisation du festival. Donc, des gens sont recrutés au sein de cette population, les jeunes, les femmes, pour aider à l'organisation du festival. So he said that first he wanted to say that the people who live in this area, not only do they just host the artists, but they also take part in helping to organize everything. And this includes women, the young and the old, all help in organizing and making all this possible. Alors, en général, par édition, on ouvre 15 théâtres. Donc, ça veut dire au moins 15 spectacles. So, generally, there are 15 theater spaces and 15 shows. Donc, 15 cours familiales transformés en théâtre. Ça, c'est so, 15 family courtyards transformed into theaters. Il y a aussi l'espace jeune public, c'est-à-dire les enfants. So there's also an area for children, for youth, theater for youth. Il y a aussi les performances dans la rue.
de la danse et des performances. There are also street performances, dancers, musicians, etc. Et il y a à partir de minuit les plateaux musicaux pour permettre aux gens de passer une soirée agréable en discutant, en écoutant de la musique et à danser. Ça commence à minuit, c'est vrai? Ça commence à 23h, ouais, 23h après la fermeture des théâtres. So after all the performances have finished every day at 11 o'clock, there's also a music concert. Fantastic. Et so donc, maybe. Go on. Voilà, donc c'est et ce qu'on a ajouté à partir de il y a 2 ans, c'est que on essaie aussi d'impliquer artistiquement le quartier. On c'est avec le quartier, les femmes, les vieux, les jeunes qu'on fait le spectacle d'ouverture. And he's also starting, he started last time in 2018, that the people from the neighborhood also help participate in the opening ceremony, which is kind of like a big launching party. Et cette année, moi, je crée un spectacle que j'appelle Le Quartier, avec que les jeunes du quartier, qui va se jouer pendant la plateforme festival. So for the 2020 edition, he's created a piece, a performance that only includes the youth of the children of the neighborhood. Donc avec une dizaine de jeunes quoi, filles et garçons du quartier. 10 or so boys and girls. Are there any thoughts about doing something live streamed on streams or computer or other? Yeah. Countries, of course, that's on their thought. Is that even thinkable? Do you think about that as a screen presence? That's something actually that I should talk about with our team. I talked about with HowlRound actually last time, and we didn't know that we had good enough streaming. But anyway, I'll ask him. Aristide, Franck a dit que est-ce que ça t'intéresse de faire le live stream de festival pour que les gens qui sont pas venus à Ouaga puissent voir un peu pendant le festival? Oui. No, if everything is closed, will you think of digital presence or screens, or is this unthinkable? Oui. Okay. Oui, on va essayer. Le mieux, c'est que on est en train d'envisager ce genre de plateforme justement pour effectivement permettre à ceux qui n'ont pas pu venir, à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, de vivre un tant soit peu des moments forts de la plateforme festival. Oui, et puis si le COVID-19, si c'est pas fini avant cet automne, est-ce que... Ça va finir avant. So he said yes, they are considering streaming so that people can see it around the world. And I said, well, have you thought about filming if in the case where COVID-19 isn't over yet? And he said, oh, it will be. It will be over. That is good. So maybe for all of our listeners, instead of only or just going or the great festivals, we do know the Avignon, the Kunsten, the Theater der Welt, the Berlin Festspiele, the Vienna, and Salzburg Festspiele. Maybe it's also something to think about for lovers of theater one day. Please do go to Burkina Faso. It's a great place. Heller has been there, and I will go, especially after this. Aristide, is it possible to show us your backyard if you have your camera? Meredith Monk took us around yesterday. Can we see the courtyard of your house where you live? Donc, d'abord, Aristide l'avait dit que tout le monde doit aller au festival récréatif. Et puis, il avait demandé si tu peux nous faire montrer un peu l'autour de toi. Il y a, par exemple, la cour de la maison. Ah, ici, là? Yeah. Oui. Là où chez mon ami? Oui. Chez la mère de mon ami? Oui, oui, oui. Je vais vous montrer chez la mère de mon ami. Elle est où la maman de mon ami là d'ailleurs? It's very warm there. It's very hot right now. Can you show the street again? So people are voilà. People are outside a little bit lower. Yeah, people are outside. Alors essayez de mettre ton vidéo un peu plus bas. Plus bas, ouais, voilà. Voilà. Et so, but I think this is
This looks like the family. It's the family. And this is the courtyards where the theater's plays happen. Est-ce qu'il y aura un spectacle dans cette cour là? Non, je suis pas au récréatral là. Je suis dans mon quartier. It's a neighborhood. So, Aristide, because we are getting close, as an end of a question, as an artist trying to work in Burkina Faso and creating this incredible festival that should get more attention, what is your advice? What do you say to artists in the world who are now at home and thinking about doing work or whatnot? What is your advice for the artists or people at home, how to think about the time we live in? What is your advice, what to do? Donc, Franck avait demandé pour un mot de clôture, quels sont tes avis pour les artistes et pour les gens chez eux à ce moment? Quels sont tes avis? Qu'est-ce que tu veux dire aux autres artistes qui sont chez eux maintenant? Allô? Oui. I don't think you heard me. Quels sont mes quoi? Oui. Quels sont tes avis? Qu'est-ce que tu veux suggérer aux artistes? Ah d'accord, ben oui, mais ce que je veux suggérer, c'est le thème des récréatrales qu'on a donné cette année sans savoir que le monde connaîtrait et vivrait ce moment d'incertitude. Je demanderais à tous les artistes du monde entier d'abord de tresser le courage comme on l'avait demandé il y a 2 ans, en 2018. Mm-hmm. Oui. Et comprendre que l'humanité est une et que le monde est un et que nous devons plutôt travailler à créer une communauté humaine et non que les défis sont importants pour nous artistes parce que je pense que quand il arrive des moments d'incertitude, des moments de panique, de perte de repères, les artistes sont ceux-là qui peuvent travailler à ramener de la quiétude, de la joie, du bonheur et surtout de la lucidité. D'abord, je vais faire une partie. So first, he said that he's reminded of a theme of the festival in 2018, which was about fixing your courage and being brave, being bold, and then about this year's theme, which is about asserting yourself and recognizing these artists in Burkina Faso, for example, that nobody knows about. Alors, j'avais dit que j'avais parlé des thèmes des festivals. Et puis après ça, tu avais dit que les gens doivent, en ce moment, se prendre conscience. C'est-à-dire qu'on, ouais, on doit prendre conscience que l'humanité est une. Voilà. Et on doit travailler à ça. And so that we need to be reminded in times like this that we are one, that humankind is one, and we are together. We need to work towards appreciating. Et il faut travailler à ce que, comme on dit, l'homme redevienne la mesure de toutes choses. L'homme revient la mesure de toutes choses. De toutes choses, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est le centre. Uh-huh. Tout ce qu'on fait, c'est pour que l'homme soit meilleur et c'est pour l'homme, c'est pas pour avoir les banques, c'est pas pour voilà. And also to reestablish in our societies that that humans, that people are at the center of everything. That what should be the priority is not banks and businesses, but people. Thank you, really, really, Aristide. Thank you so much for taking the time and giving us a view into your world. I think we need to hear more from the African artists. Thank you really so much. And this concludes our week 2. And I hope you will be able to stay with us next week. We will post our program soon. It's going to be Keith Joseph Atkins with the Black Fist, with writers from his writing group up in Harlem and around America. We will have Big Dance Theater, Paul Lazar and E.B. Parson. There will be here from Kelly and Pavel from the Nature Theater of Oklahoma, Melanie Joseph from the Foundry, the great, great
theater initiative she created. She will be there with Aaron Lensman and others, Oren Squire. We will hear from Tia Warszawa in Poland, who is doing very difficult work under a government that is hostile to the arts and but is thinking about how to create a new theater. They are going to build a new theater that also has a digital context and they're reinventing what they should be doing. And they are hit hard also in Poland now by the crisis. And we will hear from Shahid Nadeem from Pakistan and Abhishek Mumbai from India. So we will really get another update. And to all our listeners, really thank you for taking the time and for your interest in the work and the thoughts and the troubles and sorrows of our global artists. I hope you all stay safe over the weekend. It's an Easter weekend. It's a very unusual one, of course, in our lifetime, our generations, we haven't seen that. And so stay safe, stay tuned, wear the mask, and I hope to hear and see you all next week. And Aristide, again, thank you for being with us, Heather, for translating. Thanks to the great HowlRound team and Emerson College, and Vijay and Thea to supporting us, and May, San Young, and Jackie here at the Siegel team. Happy Easter, and I hope we will see also in the coming weeks, see better news. And it is a devastating situation, especially in New York City and the others, but the whole world is working together, scientists and also artists, and people are talking, and we will see how the world will change. Maybe it has already changed, we don't know it yet, but I think this will be one of the things to find out also in our upcoming talks.